Tout à fait autre chose. Remarquez, on est dans la médecine parce que cette année encore, des milliers de jeunes Français veulent faire leurs études en Belgique. Bon, parce qu'ils considèrent que l'enseignement est mieux fait là-bas. Bah, pas tout à fait. Études de médecine, de dentiste, de kiné. Pourquoi? Parce que chez nos voisins, il n'y a pas de concours d'entrée pour ces disciplines-là. Alors, moralité, soit ils ont raté le concours identique en France, soit ça les évite de le présenter, le concours, et ils se précipitent là-bas. Seulement, voilà. Maintenant, ils sont trop nombreux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, justement. Que font les Belges quand ils reçoivent tous ces jeunes Français dont ils disent qu'ils sont des envahisseurs? Bonjour François. Oui, bonjour William. Eh bien, figurez-vous effectivement que c'est la cohue des étudiants français ici en Belgique qui vont même jusqu'à camper devant les universités belges pendant plusieurs jours pour pouvoir s'inscrire. Alors dans certaines filières, comme par exemple en médecine, eh bien il y a un système de tirage au sort des dossiers, mais dans d'autres, comme par exemple pour les sages-femmes, eh bien c'est le système premier arrivé, premier inscrit, ce qui donne des scènes totalement hallucinantes. Regardez, ça s'est passé il y a quelques jours ici à Bruxelles. Un camping improvisé devant l'école des sages-femmes de Bruxelles. Pourtant, toutes ces étudiantes sont françaises. Elles ont parcouru des centaines de kilomètres pour être les premières à s'inscrire. Certaines d'entre elles sont là depuis une semaine. On s'est dit une semaine, ça sera vraiment, on sera large, quoi. Et en fait, non, il y a eu très vite du monde. En partant une semaine avant, je pensais quand même être dans les premières. Je suis 12e cette année, mais on verra bien demain. Les parents ont également fait le déplacement pour soutenir leur fille qui ne trouve pas de place en France. Malheureusement, le système français fait que la sélection est très très rude pour nos jeunes et puis les plus motivés qui veulent absolument devenir sage-femme donc viennent tenter leur chance en Belgique. Vient alors la dernière nuit d'attente. Seules 9 candidates françaises seront retenues. Or ici, elles sont 60. Le matin venu, en apprenant qu'elles ne seront pas prises, certaines étudiantes craquent nerveusement. Moi, si je viens ici, c'est pas pour aller cueillir des coquelicots, moi, c'est pour bosser. J'ai travaillé toute l'année, tout le monde. J'ai cravaché. Vous trouvez ça normal de faire ça à des étudiants? Excusez-moi, s'il vous plaît. La directrice de l'école est même prise à partie. Nous ne pouvons pas absorber tous les étudiants. Mais ça, nous sommes d'accord. Ça, nous sommes d'accord. Parmi les premières arrivées, il y a celles qui pleurent et les rares inscrites, radieuses. À la fin, ça a été très très dur. Et là, on est vraiment contente que ça soit terminé, quoi. 9e, j'ai la dernière prise, moi. Donc voilà, je suis trop heureuse. Le campement est alors démonté. L'an prochain, beaucoup de ces Françaises reviendront tenter à nouveau leur chance en Belgique. Deux petites questions pour terminer, François. Est-ce que le gouvernement belge a une position officielle et que dit la France de l'autre côté? Alors d'abord, c'est un énorme problème effectivement pour la Belgique, tout simplement parce que les étudiants français, eh bien, prennent la place des étudiants belges dans les universités. Et d'autre part, parce que la quasi-totalité de ces 16 à 17 000 étudiants français, une fois qu'ils sont diplômés en Belgique, eh bien, ils retournent exercer, mais en France. Et du coup, évidemment, ça pose un problème de pénurie de personnel médical ou paramédical. Alors la France, elle ne veut pas payer. Il y a évidemment une question de gros sous derrière tout ça, puisque chaque étudiant coûte environ 5 à 6 000 euros par an, eh bien, à la Belgique. Mais des discussions sont en cours. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que du côté belge, on a le sentiment que la France n'est pas très motivée pour régler ce problème. Merci beaucoup, François. À bientôt.